5 minutes. À la minute, notamment par plus, c'est la plus courte que vous pouvez penser à cet objet. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Vous choisissez un point de l'eau et à partir de ce point, vous allez partir d'une ligne est égale à l'infini. Un rayon sera à droite de l'infini et le rayon délivre la vie par aussi. Ce qui est important, c'est que directement ces trois rayons sont fixés. Vertical, horizontal, diagonal. Et par contre, pour le point de son ici, ce point, vous pouvez choisir n'importe quel point du plan. Il y a autant de droites cordiales, c'est une droite cordiale, que de points dans le plan. Alors, voici le deuxième droite cordiale, troisième droite cordiale. Il y a un problème, je fais un objet comme ça, on commence. Alors, pour ça, il faut revenir aux relations entre ciel, la gerbe et la géométrie. Donc, la gerbe, c'est l'étude de ce genre d'expression effrayante, des inconnus, des x, des y, des w. Alors, j'en ai vu une relativement simple. Et la géométrie, bah, c'est plutôt de mettre des choses plus jolies. Voilà, je vais vous montrer un peu plus loin. Et si, il y a un pont, en fait, il permet de passer de l'un à l'autre. Et voici comment on peut passer de la géométrie à la géométrie. Mon expression algérienne, là, x plus 2, y moins 2. Je peux regarder les équations associées, x plus 2, y moins 2 égale 0, et ensuite je peux regarder les points x, y du plan, qui réalise cette équation, donc les deux, x plus 2, y moins 2 égale 0. Et là, ça nous laisse cette belle droite. Et voilà, la droite cordiale est obtenue par un procédé analogue, mais à partir de l'algèbre géométrique, mais l'algèbre cordiale. Qu'est-ce que c'est que l'algèbre cordiale? Eh bien, ce sont deux opérations qui arrivent sur les deux. Donc, j'ai une addition et une multiplication cordiale, je vais prendre une idée, vous allez confondre avec les additions et les multiplications que je fais. Et le seul cordiale de l'algèbre à élever, c'est simplement le maximum de l'algèbre. Plus 2, point cordial, c'est 3. Et la multiplication cordiale de A et B, c'est le somme plus 2. Donc 3 fois 2, point cordial, c'est 5. Ces deux opérations peuvent paraître un petit peu bizarres au premier abord, mais en fait, on y arrive assez facilement selon les problèmes qui nous intéressent. Par exemple, si je m'intéresse non pas aux résultats exacts de l'addition de nombres, mais seulement l'ordre de grandeur, ben, je tombe sur le maximum. Donc l'ordre de grandeur de 1 milliard plus 3, et c'est notre opération, de manière assez surprenante, elle répond beaucoup de points communs avec les additions et les multiplications, et je vais vous habituer par exemple la multiplication est distributive par votre addition. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je prends 3 fois 5 plus 7, en 3 milliards, ce qui serait écrit dans les relations que l'on est habitué, c'est 3 plus le maximum de 5 et 7, qui est aussi le maximum de 3 plus 5 et de 3 plus 7, qui serait écrit en 3 milliards. Donc, vous savez, je crois que c'est la multiplication tropicale qui est distributive par rapport à l'addition. Donc, voici la vue tropicale. Maintenant, je vais encore t'expliquer comment le coefficient de densité est intégré. Donc, si j'ai pris x égale 0, et donc le maximum de x égale 0, on va partir de ça pour obtenir mon équilibre. Alors, en fait, quoi, dans mon expression imaginée, j'ai 3 thèmes, x égale 0, donc je prends le maximum. Et puis, si vous prenez le complémentaire de la tropicale, en fait, j'ai justement 3 régions. En fait, c'est pour la région, pour la correspondance, c'est le plus grand nombre, parce que ça vous dit, dans la région du plan, quelle est la longueur qui fait la longueur de l'avant. Donc, si x et y sont plus petits que 0, vous aurez 0. Si y est plus grand que 0 et plus grand que x, vous aurez la valeur x. Et enfin, une troisième région, si x est plus grand que 0 et plus grand que y, vous aurez la valeur y. Et voilà, c'est tout. Maintenant, vous avez passé une expression algébrique fonctionnelle à la page VIS. C'est la question de l'intéressant, parce que maintenant, ce dessin, eh bien, j'y pense plus exactement comme avant. Maintenant, je peux lui calquer mon addition géométrique. Donc, je peux jouer avec cet objet comme je joue avec des droits d'angle. Par exemple, dire, tiens, si je prends deux droites cordiales, est-ce que par contre, il y en a pour un point. Ouais. Donc, je prends deux droites dans le plan et me demander, tiens, est-ce que ça va caractériser une droite cordiale dans le plan? Je peux se dire comme ça, c'est une droite cordiale qui va s'en venir. Donc, une droite cordiale vérifie les axiomes de la géométrie. Donc là, j'ai pris une quantité d'algérie simple, une équation intégrale, j'ai un objet assez simple et correct, mais vous pouvez prendre des objets beaucoup plus compliqués. Et voilà le type d'objet tropical que vous pouvez voir. Vous avez des exemples de bord tropical, des exemples de surface tropicale. Pour tous ces objets, et un chef peut lui appliquer mon addition qui provient de la géométrie, chose que je ne peux pas faire a priori. Pas forcément au premier abord. Et ça, c'est un point de vue extrême en fait. Quand on peut regarder un objet, donc on peut lui dire, vous trouvez des composés nuls, vous voyez des propriétés différentes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu plus tard, il y a la résolution de plusieurs problèmes
ces 20 dernières années. D'ailleurs, bon, je voudrais juste finir de citer la même équipe de jeu pour 2022. Entre autres, pour ses travaux en théorie de recherche combinatoire, dont un le point de départ, c'est justement de regarder cette soupe et de se dire, ça c'est moi.